s'embrassent au mois de janvier, car une nouvelle année commence, sans se douter qu'un truc en Chine va bientôt envahir la France. Mais ils commencent à s'inquiéter dès qu'un Chinois veut s'approcher, et même si c'est un Japonais, on a peur de tous les brider. Quand on s'en va en février, tous en vacances bien méritées, on n'est pas nombreux à penser qu'on va tous finir confinés. On rit, on pleure et on s'amuse en croisière ou les skis aux pieds, alors qu'en Italie tout près, les cas commencent à arriver. Quand l'école reprend début mars, on commence tous à s'inquiéter, on ne sait pas que c'est déjà trop tard, que le virus s'est propagé. On voit en Alsace effaré le nombre de contaminés, le cluster vient d'être inventé, c'est eux les premiers confinés. Être né sous le signe du Covid-19, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et si le président file sa place, pas sûr que je voudrais m'y piquer. Début avril, il est partout, 3 semaines que tout s'est arrêté. Et quand tu sors, n'oublie jamais l'attestation du monde signé. Il y a 3 milliards de confinés et des morts dans le monde entier. Nos dirigeants sont dépassés, la courbe va-t-elle s'atténuer? Quant au reste de l'année, y a rien à faire à part espérer. Je suis sûr que eux-mêmes les athées ont tous commencé à prier. L'ironie c'est que les Chinois, tu sais, se contrer du doigt. On compte sur eux pour nous livrer des masques, des trucs pour respirer. C'est dans ces moments-là qu'on voit les élans de solidarité. On les applaudit tous les soirs, les soignants qui donnent de l'espoir. Mais certains sont stigmatisés, dégage-toi, t'es contaminé. Tu ferais mieux d'aller vivre ailleurs, l'homme c'est le pire et le meilleur. Et y'a un truc qui me fait marrer, y'a un ministre déconfiné. Je sais pas si t'arriveras à piger, c'est Castaner le bien nommé. Et voilà, c'est terminé. Merci Astrid de m'avoir donné l'idée. Tant.